en ce moment. C'est vrai que nous sommes en période scolaire, ça date de 24 heures. Comment ça va ce matin? C'était plus difficile qu'hier? Je sais pas, peut-être. Et cette méthode Montessori, vous en avez peut-être entendu parler. C'est Maria son prénom, non? Maria. Maria Montessori qui avait inventé ça. Elle était quoi, Maria? Elle était médecin. C'était une femme d'avant-garde. Pourquoi? Parce que c'était la première femme médecin en Italie. C'était en 1897. Et elle avait d'abord créé des écoles pour handicapés, pour des enfants défavorisés. Et ensuite, elle a modélisé, en fait, son système d'école. Alors, quel est ce système? En fait, elle considérait que l'enfant était un être à part entière, voilà, un être autonome, en devenir et non pas un adulte en miniature. Sa méthode, en fait, était fondée sur les quatre besoins de l'enfant, qui sont l'amour, le respect, la confiance et le soutien. Et pour lui faire confiance à l'enfant, il faut quoi? Il faut lui apprendre à faire seul. Et c'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage qui a été écrit et qui vient de sortir par une enseignante Montessori, Apprends-moi à faire seul. Et elle y résume la méthode basée sur un enseignement très concret et autonome. On va comprendre. On aborde les apprentissages de façon très expérimentale. Les enfants apprennent en faisant des expériences, en manipulant du matériel qui est scientifiquement élaboré et qui isole les concepts. Donc, ils manipulent, par exemple, pour les mathématiques, pour aborder le système décimal, ils manipulent des petites perles, une unité, une barrette de 10, un carré de 100, un cube de 1000. Il peut les comparer, les appréhender, les voir, les sous-peser. Et une empreinte expérimentale s'imprime. Dizaines. On a 10. C'est 10. D'accord? Je pense que peut-être certains enfants dans le système traditionnel n'aiment pas les maths parce qu'ils ne les comprennent pas, parce que pour eux ce sont des chiffres abstraits. Mais comme nous travaillons toujours avec les enfants de façon très concrète, avec beaucoup de manipulation de matériel, c'est très ludique, très attirant. Et la grande force de cette pédagogie, c'est son matériel, parce qu'il est esthétique, attirant, il appelle à l'activité. Pour l'écriture aussi, par exemple, plutôt que de travailler le graphisme en faisant des boucles, en faisant des petits carrés pour préparer à la cédille, l'enfant travaille vraiment le mouvement de la lettre. Et il travaille avec des lettres rugueuses qui sont en papier de verre, qui sont collées sur des plaques très lisses. Les lettres ressortent énormément et il les touche. Donc il associe dès le départ le mouvement qu'il faut faire pour écrire la lettre, le son, puisqu'il la prononce en la touchant, et la vue. Donc il se prépare à la fois à l'écriture et à la lecture. Ils ont l'air bien calmes. C'est exactement ce qui ressort. Bon, oui, c'est marrant. Dans les classes Montessori, c'est le silence, le calme des enfants. Alors, il y en a peu en France. Il y a une centaine au total d'écoles Montessori. J'aurais pensé moins. Il y a encore maternelle, primaire, quelques collèges et lycées. C'est très peu par rapport à nos voisins européens qui sont pionniers. Par exemple, en Hollande, où les écoles sont en contrat avec l'État. Et en France, tout est à la charge des parents. Donc, c'est cher. Ce qui est intéressant dans la méthode, c'est que les enfants ne sont pas comparés. Il n'y a pas de notes, ils s'auto-évaluent, ils s'auto-disciplinent, ils s'auto-surveillent en classe en l'absence de l'enseignant. Et ça, c'est très étonnant. En l'absence de l'enseignant. C'est-à-dire qu'ils apprennent, qu'ils sont là. Il peut s'absenter. Quand il s'absente, vous revenez, c'est pas le chahut, et ça, on l'a constaté. L'idée, c'est qu'ils comprennent, et c'est ça qui est extrêmement difficile, qu'ils travaillent pour eux et non pas pour le prof et non pas pour le parent. Des enfants de cet âge-là. Même tout petit, ça commence à la base. On lui apprend quels sont les enjeux. Donc c'est beaucoup de maturité. Voilà, et il garde la qualité d'écoute. Merci beaucoup, Laurence. À tout à l'heure.